Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Catch Collector. Bienvenue à vous, collectionneurs de Funko Pop WWE. On se retrouve aujourd'hui pour un top 10 des pops les plus rares et donc les plus chers. En bonus, en fin de vidéo, vous retrouverez deux pops très rares que vous n'imaginez même pas l'existence. On ne pouvait évidemment pas faire un top 10 de Funko Pop sans y inclure John Cena. Cette figurine est une version de John Cena avec son long short emblématique de couleur noire. C'est avec cette même tenue que John Cena a porté son fameux double Attitude Adjustment sur Triple H et Edge à Backlash 2006. La cote de cette figurine est aux alentours de 130€ sur eBay. CM Punk en rose vif. Certes, ce n'est pas sa tenue la plus célèbre, mais ce n'était pas une tenue sans signification pour CM Punk. Cette tenue est en réalité un clin d'œil au Macho Man Randy Savage. CM Punk l'a lui-même confirmé lors d'une interview. Il a catché et gagné contre nul autre que John Cena dans cette tenue. CM Punk est un grand fan de la thématisation de cette tenue. Il a porté différentes couleurs tout au long de sa carrière, avec des petits clins d'œil envers des équipes sportives comme les Yankees de New York. Cette pop est une exclusivité Hot Topic et cote aux alentours des 200€ sur eBay. Après avoir parlé de CM Punk et de son clin d'œil au Macho Man, la transition était toute trouvée pour cette pop. Exclusivité WWE, cette version est sortie en 2015. Superstar emblématique des années 90, Macho Man Randy Savage avait lui aussi droit à sa figurine et bien entendu dans sa tenue de ring la plus célèbre. Sa cote est similaire à celle de CM Punk en tenue rose, c'est-à-dire aux alentours des 200€. La légende d'origine mexicaine de la WWE Rey Mysterio est ici en version bleu ciel. Cette version bleu ciel nous rappelle les performances de son plus gros run au milieu des années 2000. La figurine est sortie en 2014 et ne pouvait être achetée chez 7-Eleven, dont elle est, vous l'aurez compris, l'exclusivité. La cote de cette figurine ne fait que monter. Aujourd'hui, elle est aux alentours des 230€ sur eBay. Tout comme John Cena, Rey Mysterio a eu droit à plusieurs exclus. Il n'est donc pas impossible qu'on le retrouve un peu plus tard dans le classement. Et en parlant de John Cena... Comme je l'avais dit, revoilà John Cena avec une version présentant son short en jean emblématique et l'une de ses casquettes très colorées, la noire et verte. C'est une exclusivité WWE et sa cote est aux alentours des 230€ sur eBay. On ne peut évidemment pas passer à côté d'Hulk Hogan. Il n'est pas surprenant de retrouver une Funko Pop de l'immortel Hulk Hogan dans notre classement. Il est une légende qui a participé à l'explosion de la WWE dans le monde entier. Hogan a enfilé son t-shirt jaune et son pantalon rouge ici. C'est une exclusivité WWE, ce qui signifie que vous ne pouviez l'acheter que sur le shop officiel. Sa cote a un peu baissé dernièrement, mais avoisine toujours les 300€ sur eBay. Le récent retour de CM Punk sur les écrans a conduit à une clameur de certains fans de la WWE à revoir AJ Lee. AJ Lee n'a pas été vu à la télévision depuis 2015. Ses liens avec CM Punk l'ont laissé dans une position assez embarrassante avec la WWE. Mais son mari travaillant maintenant pour Fox, la porte pourrait bien être plus entrouverte qu'elle ne l'a jamais été. En ce qui concerne le monde des Funko Pop, sa cote est aux alentours des 300€ sur eBay. Mais si vous avez AJ Lee dans votre collection, il vous faudra CM Punk. Autant dire que le couple de pop va vider votre compte en banque. Sorti en 2014 à l'occasion de sa victoire gigantesque à WrestleMania 30, contre Triple H et Batista, c'est une pop qui fait un bel objet de collection. Exclusivité WWE, il vous faudra Daniel Bryan. Vous ne pouviez l'acheter que via le shop officiel et sa cote avoisine aujourd'hui les 300€ sur eBay. Ironie de la chose, l'un des plus grands collectionneurs de figurines et de merchandising de la WWE, Zack Ryder, a lui aussi sa pop. La version en tenue verte est une exclusivité Funko HQ, édition limitée à 500 exemplaires. La rareté fait le prix et sa cote est aux alentours des 350€. Et voilà la pop WWE la plus convoitée de toute la collection. Il s'agit de Rey Mysterio en tenue noire. Exclusivité du San Diego Comic Con, sortie en 2014. Ce qui est inconnu avec cette pop, c'est la valeur lorsqu'elle est signée. Des modèles de cette pop dédicacés avec certificat d'authenticité montent même jusqu'à 1500€. Pourtant, même non signé, en parfait état, sa cote est aux alentours de 550€ en France, ce qui est déjà énorme.
Et voilà, le classement est déjà terminé. Mais comme promis, en bonus, je vais vous faire découvrir deux Funko Pop dont nombre d'entre vous ne soupçonnent même pas l'existence. Il s'agit tout d'abord de la Freddy Funko de la série Funko qui est ici en tenue de Sting. Exclusivité du San Diego Comic Con de 2016, elle est limitée à 500 exemplaires, ce qui explique sa cote élevée de 400€. La seconde, elle aussi une Freddy Funko, mais celle-ci en tenue de Hulk Hogan. Datant de 2015, elle aussi exclusivité de la San Diego Comic Con de 2014, cette pop est déclinée en deux versions, l'une normale et l'autre avec l'œil rouge et fermé. Leurs cotes sont aux alentours des 500€ en France et sont quasi introuvables. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner afin de ne rien rater. A bientôt !